Ouais. Il a même appris quelques nouveaux tours. KR 06 en place, Phoenix. On pose un tir de suppression. Bien reçu, 06. Au moins, pour une fois, on a un appui aérien. Oh là, qu'est-ce qu'il est magnifique, ce jeu. Je vais claquer la dernière balle de roquette. Que j'ai tiré sur le cul de Cole, parce qu'il est passé devant. Ah oui, maintenant il sait faire autre chose qu'ouvrir des portes. La vache, il cacque le chocobac. Vas-y, fais autre chose pour faire des portes. Des arbalètes, attention! Et je vous donne. Là, dans Garde 1, dès que t'es au sol, il faut. Alors attends, parce qu'il y a un truc qui me stresse. Voilà. Hop, ça on met à gauche. Malinzor, on remet à droite. Voilà. En plus, j'y pense. J'ai ma croix directionnelle. Même le, ce truc me dit. Voilà. Sors à droite. GG la vie, il se tue de tête. Elle passe au niveau 62 en dormant. Hé connard! Ah, du coup, non, notre joker ici est le troisième. Des fois, il se fait attraper et tu sais pas comment il fait. Il a rattrapé tout le monde, mais comme ça, tu vois. Je tire le coup de tard. Il a raté la 4ème! Tu flies de 5ème! Ah, t'es flie! Ah, c'était pas longtemps, elle a disparu aussi, tiens, en fait. Il y a eu 10 fouilles ce soir, en fait, Joker. Et en plus, c'est ce qu'il me faisait, Tifli, je sais plus quand, moi je crois que c'était hier, peut-être. Je fais, ah mec, je peux te conseiller un jeu à faire et tout? Viens dans le type 4, je l'ai regardé, je suis sérieux. Pas de joueurs, c'est normal. Ouais, je sais. Et là, tu vas rattraper Litty ce soir. Ouais. Et je me demande si on va pas commencer juste maintenant. Déjà, est-ce qu'on fait le DLC de Gears 3? C'est la question aussi. Je vais juste ramasser les balles d'arbalète. Faudrait m'aider. Approche petit, on va faire la tête. J'hésite. Si je fais un marathon, faut que je fasse le DLC. Bon, j'ai pas fait le dessin de garde. Oh putain. Oh putain, y'a des marches. Sensibilité 1.
commandant. Vous pouvez débarquer. On a éliminé la catapulte et les barges de carburant. C'est vu. Nos pilotes signalent au moins deux autres sites d'artillerie plus loin. Il nous reste très peu d'appareils. Je ne peux pas les mobiliser avant que ces catapultes. Je sais pas si c'est un accent allemand ou russe. On va les trouver. Bougez pas. Bon, en avant. Il est temps que ces enfoirés mettent la clé sous la porte. Non mais la déco de dingue! On se croirait dans un putain de 5 étoiles! Ouais, et c'est ce qui arrive quand on file pas de pourliche au groupe. Cool. Le futur de Zera dépend de vous. Oh, qu'est-ce qu'il veut nous fourguer celui-là? Azura est un bunker pour l'élite de la CGU. Un refuge pour laisser passer la guerre. La dernière guerre. Oh, mon Dieu. Ce sont les scientifiques? Je sais pas trop. J'arrive pas à voir s'ils avaient le col blanc. C'était la base de la CGU la plus à l'abri des larmes. Ça paraît logique d'y évacuer le gratin scientifique. Comme Prescott a évacué ton père? Ouais, peut-être. Papa, on dirait qu'ils ont tué tout le monde. Je crois que je suis le seul humain dont ils avaient besoin vivant. Marcus, je peux tout expliquer pour Mira. Papa, ça peut attendre. Où est-ce qu'on est? Tu vois, il dit rien pour Mira. On sait que c'est la grand-mère d'un personnage dans okay, Gears 4 et 5. Mais moi, je suis presque sûr que ce serait la mère de Marcus. En fait... Ah non, il y avait un personnage qu'on attendait qui avait un accent russe ou allemand, enfin un mélange. Et là, tu l'entendras plus. C'était un mec dans un hélicoptère, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a juste des Russes dans le cas ça. Ouh, la tête. Sur le DLC, je pense. En plus, il y a rap dans le DLC. Attends, faut que je fasse un barrage. Quel barrage? Déjà, comme ça. Barrage.
contrôler les logs et ces enregistrements. Appréciez les merveilles de l'art, Sera. Papa, quand on t'aura fait sortir, t'auras besoin de quoi pour activer ton arme? J'ai les codes d'activation. C'est tout ce qu'il me faut pour l'utiliser. Professeur, ici Damon Baird. Comment marche cette arme? Ah, Baird, oui. Prescott m'a parlé de vous. C'est une sorte de bombe à neutrons sans le blast, qui détruit uniquement les cellules Lambent, en chacun de nous. Pas encore possible. Bah, ça me paraît plutôt pas mal du tout, ça. Y'a un truc qui m'étonne. On n'a pas encore vu les Lambent. J'avoue, pour commencer à ces heures-là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais c'est quoi, t'es congé, hein? J'ai vu aucun monstre, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout de le percher là-haut pendant que je me bats en bas, là? Pour une fois qu'on a une fin de jeu dans un endroit paradisiaque. J'ai raté, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, j'ai tout raté! Une fille qui écoute du rock que... oh, lol.
Je suis pas russe, je suis espagnol, italien et polonaise. C'est mal envie. Je sais pas, je suis en train. Ouais, c'est une gendarme pour enfants. On va pouvoir jouer au quartier. Félix a tous les indicatifs. Vous pouvez atterrir. Explosons cette saloperie. Oh les bâtards, ils... Et le dernier. Ah bah les voilà. Phoenix, après ce coup, les tiges sont apparues. Vous nous avez en visuel? Elles apparaissent partout, ah bah là. Phoenix. Nous détournons un faux coin sur votre position. Occupez-vous de déployer l'arme de votre... Il a plus père. Un accent allemand, je trouve. On en finit. Ok, on fonce jusqu'au bâtiment. De toute façon, en russe et allemand, ça c'est proche. Et il y a quand même une grosse différence. Marcus, je peux te demander comment... Comment marche la bombe? Mon père te l'a pas dit? Non, pour Dom, j'ai besoin de savoir. Chaque chose en son temps, Baird. Regardez. C'est pas un accent... Oh, j'aurais dit... Je pense plus moi, tu pensais connaître Prescott. Et tout ce temps, pendant qu'on crevait de faim dehors... Il avait cette chambre forte à plusieurs milliards. Il est resté avec nous tout ce temps. Je pige pas. Alors d'après le professeur, on est tous affectés par cette merde lambette? Tous. Et tout. L'émulsion est une forme de vie parasitique. Putain! Le carburant miracle est vivant. Et il peut l'éradiquer? Hé hey, on a fait tout ce chemin pour sauver le vieux Amarcus, et t'as pas confiance? Bon. Au moins je vais crever en sachant que j'ai fait le bon choix. Tu vas pas crever, Baird. Personne d'autre ne va crever. Ton père l'a testé, cette bombe, Marcus? On peut pas lui faire fermer sa gueule! Ok, de la confiance. Compris. Oh non, pas en one shot. Là. Faut juste qu'on arrive à désactiver le système coupe-feu. Je t'entends, Marcus. Emira te traque. Fais attention. Nous collons train depuis le début. Quitte pas. Et ça, c'est un moment. C'est un morceau. J'ai tendu son armure. Et... qu'ils nous ont sortis. Ah, je l'ai raté là. Mais... ah, sa mère, la pute, un mortier. Mais... il va arrêter de me tirer, tu vois. Oh, mais non, mais c'est bien que j'ai vu ça. Quelle salope que je suis. Bon, pour ça, de toute façon... Yeah!
Munitions demandées. On a des tiges, on approche. Jack, découpe cette porte, on les retient. C'est vraiment les pires monstres, la bête. Ah, je préfère tous les locustes du monde, mais pas ça. C'est le dernier. Papa, on va monter. On rentre et on barricade les portes, vite! Non mais attends, si on a tous une dose d'émulsion en nous, la bombe de ton vieux risque pas de nous affecter aussi? De nous tuer? Tu le vois risquer ça? Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, Caporal Baird. Je l'ai testé. Oui, il a testé en s'injectant une émission sur lui. Lâchez la porte. Allez, vite. Ça arrêtera pas une tige. Ça va juste faire chier les drones 5 minutes. Ça fera l'affaire. Papa, on y est. Les Lamben sont juste derrière nous. Où est ton labo? Tous sur le toit. Attention à la reine Mira, Marcus. Elle est désespérée. Papa, qu'est-ce que fait Mira? Tu disais qu'elle savait pas que tu pouvais pas sauver les locustes. Marcus, c'est aussi le combat de la dernière chance pour les locustes. Mon appareil va tuer l'émulsion et blessera aussi les locustes. Je vois pas du tout où est le problème. Le temps a manqué. Comme au jour de l'émergence. Attends un peu, on va en parler. Le jour eux? Putain, mais de quoi il parle, lui? Je crois pas qu'on ait envie de savoir. Fermez-la, l'arme droit devant. Marcus, on va pas les contourner, hein? On a une revanche à prendre. Ouais, c'est vrai. Descendez-les. Surprise, enfoiré! On est là! Beaucoup plus de munitions qu'en début du jeu. Les lambettes auront bientôt détruit la porte, Marcus. On va d'abord récupérer des larmes. Pas de leur palette. On a récupéré, donc c'est bien qu'on va attaquer ça. Et évidemment, son arbalète à l'autre con a disparu. J'attaque.
facile déjà. Approche petit, on va faire la troisième mine. Et le spinner qui va marcher. Oh putain. Et ah, j'ai tout raté! Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va péter! Ah ouais, mais si je tente pas l'arc à fond aussi, je suis un salaud. Hein. Non, mais j'ai tout raté mes balles. Ah, je lâche. Quand chaque fois Joker est dissonant, je m'en rappelle plus jamais. C'est le seul moyen de monter. Je vois pas les ascenseurs. Mais puis vu qu'on doit mettre tous en haut. Merde! Pourquoi ils ont construit ce truc d'abord? Un putain de palace! Super, Prescott. Je vois que mes impôts ont servi. Oh merde! Merde, répare ça! Marcus, je suis responsable de tant de morts. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir racheter mes fautes. C'est pas toi qui as commencé la guerre, tu y mets fin. Il m'est arrivé de croire que je pouvais tout arranger par le dialogue. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez déclencher votre machin, professeur? Est-ce que ça va nous faire mal? Ça dépend du niveau de colonisation de vos cellules par l'émulsion, Damon. Avez-vous de la fièvre? D'intenses douleurs musculaires? Non. Alors, tout ira bien. Peut-être pas, finalement. Mais merde, Jack, où sont les ascenseurs? Ils prêtent tout leur temps. Contact! Et on va mettre des plombes à monter. Moi, je dis ça. Oula, attends, qui a mis... Ah non, c'est bon, c'est bon. Tiens, qui a mis la tronçonne à ce moment? Ah tiens. Pendant ce temps-là, une petite levrette est un cagnard. Hey, vous avez une idée d'où viennent toutes ces œuvres d'art à la con? Je rêve. Le musée national défiera. Prescott a préféré sauver des putains de statues. Pauvre tâche. Ça fait plaisir. Allez, posez-les! Éloignez-les des ascenseurs! Ah,
Failli se faire écraser. Anya, tout va bien? Je vais bien, pas de problème. Cole, on est au niveau juste au-dessus. On vous rejoint, Marcus. Voilà, traverser sa tête, c'est dégueulasse. Non, non, là c'est dégueulasse. Il en a profité à mon cul. Tant que j'étais pas mort. Cole, on est au niveau juste au-dessus. On vous rejoint, Marcus. Prenez les escaliers, par ici. Cartus. Oh, qui l'a fait baisser sa tête là? Ah, tout à l'heure, je l'avais mis sur le tirage. Ouais, j'ai encore raté, je suis mauvais. Mais... Eh, sur ma vie, je suis facile ou quoi? Fusil. Vas-y, nique ça rien. On retourne en pompe. Voilà. Quelques étages plus bas. J'entends les locustes juste derrière ma porte. Ils vous attendent de pied ferme. Alors ils vont pouvoir être finis. Mais non! Oh, la cinématique qui me sauve la vie. Je crois que c'est l'arrêt. Marcus Phoenix, ta loyauté envers ton père est très touchante. Mais je ne peux absolument pas te laisser faire. Allez, continuez à monter. Encore une morphe, pop en arrière. Mira a dit 20 ans, je ne sais pas rêver, hein? Parce que c'était avant le jour de l'émergence, ça, non? N'écoutez pas cette vipère! Montez! On se sépare! On souffle! Écoute-moi bien, Marcus Phoenix! Je ne laisserai pas mon peuple être sacrifié! Nous avons le droit de vivre sur cette planète! Au moins là, on est d'accord. Hé, hey, regardez là-haut. Tu veux faire péter le poids? Non, juste le contrepoids. Tu vois les câbles? Bonne idée, allons-y.
doit être entré pas loin. On va déstabiliser tout le bâtiment. C'est mieux que de se faire griller. Oh la pute! Mais... Double pute! Il faudrait... m'aider. Non mais... Laisse-moi jouer ça. Ah, y aller en rampant. Venir me sauver. Merci. Là, je suis là, rap. Les exterminateurs sont là. Bon, t'as fini ton ultra laser ou grand soleil à la Pokémon. Sentiment. Les larves sont toujours devant ton labo. Oui, ils tiennent aussi les ascenseurs. Trouvez un autre accès. Il y a une trappe de maintenance dans le puits. On cherche. Jack, ralentis l'ascenseur. C'est ça, Jack. Arrête l'ascenseur. Bon, j'aimerais vraiment savoir ce que racontait Mira. Comment est-ce qu'elle connaissait ton père avant le jour de l'émergence? Elle a l'air humaine. Tu crois qu'elle a rejoint l'amicale des locustes parce qu'elle se sentait seule? Cette morue voulait juste nous embrouiller, merde. Peut-être pas. Les larves attendent l'ascenseur A. Alors... Ah, ils ont l'air cons là. Oh la musique de guerre, c'est quoi? Oula! Oula! Dans Gears 2. Et bah c'est lui, il est mort aussi. Je crois que Nana t'a snobé.
Là, t'as parlé de la générale, elle a fait « Non, j'ai pas envie de répondre, elle a fait « Les larves attendent l'ascenseur. » Oh non, faut qu'on avance. Alors... Ça tombe bien. 3, 2, go ! Dégoûte à l'enfoiré ! Les gars ! C'est pas si large pour m'arrêter. Verrai quelque part dans le coin. Papa, on est à ton étage. Cherchez une porte avec un transformateur externe. D'accord, tiens bon. Papa, ils ont mis une tourelle devant son lavabo. Mets-toi à couvert. Papa. Ok, on va suivre les câbles au sol. Oh, on va sûrement trouver d'autres larves au bout. Ah, je sais pas quelle personne qui a bossé. Attends, je vais dire. Attends, ouais. Oh, tu l'as snobé. Hein. Wire. Lui, il va. Je suis mort. Papa, il en reste un. Je suis à sec. Chargez les armes. Taillez en morceaux. Et de deux, papa. On revient. Marcus, Anya. C'est si bon de te revoir. Je ne l'espérais plus. Je suis... vraiment désolé, Bourdum. Je sais pas trop par quoi commencer, pas. Oui.
Je me suis longtemps demandé ce que j'allais te dire si je te revoyais. Mais... le temps manque toujours. C'est juste une garantie. Ça ne marchera pas sans les codes d'accès. J'ai conçu la même sécurité pour le rayon de l'aube. Je suis vieux jeu en matière de destruction massive, hein? J'y pense depuis des années, Marcus. Anya et toi, vous tous, vous allez vivre pleinement une fois tout ça terminé. Promettez-le-moi, sans regret, sans vous tourner vers le passé. Ouais, si tu le dis, vous ne devrez pas rester là. Si l'émulsion n'avait pas atteint ce stade critique, j'aurais peut-être pu trouver un moyen de sauver aussi les locustes. Ils auraient pu retourner sous terre. Dis-moi que tu les regretteras pas. Responsable, pas désolé. Ils sont là par ma faute, Marcus. Je n'ai pas réussi à empêcher l'émulsion de se répandre pendant toutes ces années. Ça a forcé les locustes à sortir de leur terrier. J'ai essayé de persuader Mira de les garder sous terre, mais c'était impossible. Alors... Attendez, j'ai bien entendu. Le gouvernement savait pour le jour de l'émergence, et personne ne nous a prévenus? Non, seulement moi. Même Prescott l'ignorait. Il ne l'a su que très récemment. J'avais tellement d'idées. Et si peu de temps. Papa, arrête. Restons pas là. Oh. Et autre chose qu'on ignore? Vous êtes un scientifique. Vous comprendrez plus tard ce que je voulais faire et ce que je devais faire. Yep. Moins de blabla, plus d'action. Allez. En plus, c'est mélange des deux qui arrive. Bon sang, les lambennes ont tellement évolué depuis la dernière fois que j'étais vu. Va prendre un moment. N'en fais pas, on va les retenir. Ah là là, il y avait le vrai mélange des deux. Ah, c'est quoi, putain. C'est vrai, Carmine, on le revoit là. Ça passe.
est dans l'ange final là, là c'est la fin de la fin de la fin. Couvrez-moi, je peux atteindre le dispositif. Bon, par contre, le boss final, il est casse-couille. Bah, le boss final des deux, quoi. C'est rare qu'on se met une rayon d'eau pour celui-là. Maintenant, qu'il est de rayon. Oh, pas ça.
moment que les alliés meurent pas, qu'ils me ramènent tout le temps, tu meurs pas dans la fin du jeu en fait. C'est bon, on a fini. Mange, enfoiré! Et te relève pas, t'entends? Puissance maximale imminente! Dites, comment avez-vous testé ce truc, professeur? Sur moi-même, Daemon. Je devais voir comment l'émulsion se développait et évoluait. Alors je me la suis injectée pour accélérer les choses. Oh mon Dieu! Papa, on a vu ce que ça faisait aux humains à Merci. Tirons-nous, papa, la tour devient instable. Désolé, Marcus. Je ne vais pas pouvoir vous suivre. Ça ira. Je vais te porter. Marcus, j'ai fait en sorte que l'émulsion se développe plus rapidement en moi. Il le fallait. Je devais l'étudier. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, merde! Non! Tu vas pas mourir! C'est trop tard, Marcus. Mes cellules sont en train d'imploser une à une. Comme toutes les cellules contaminées de Serra. Il le faut! Non! Je refuse de te perdre encore! Je suis heureux d'avoir pu te revoir, Marcus. Vis ta vie, maintenant! Pour moi! C'est un peu con, parce que là, c'est la mort du père, on s'en balaye un peu, parce que dans le sens où on n'a pas le temps de le découvrir dans le jeu. Mon Dieu! Ouais, c'était les passes de champ, ouais. Papa. Papa, non. C'est fini. Il est mort. C'est fini. Ah!
Quelle arrogance! Ne tirez pas! Ah! Si pieux et moralisateur, même maintenant! C'est ce que tu penses? Ton père n'a cessé de penser qu'il détenait toutes les réponses! Mais il était dans l'erreur. Il n'avait strictement rien de plus que des engins de mort sophistiqués. Le rayon de l'aube, Jacinto, et maintenant, ceci. Son arrogance a fini par causer sa perte. T'as senti ça? Ça, c'est de la part de Dom. Et de tous ceux que t'as butés, saloperie. Je sais pas, mais on sait toujours pas en fait. On sait que c'est la grand-mère de l'héroïne du 5. Enfin, d'un personnage de la meuf du 4 qui est aussi l'héroïne du 5. On sait que c'est sa grand-mère, mais... Moi, je suppose que c'est la mère de Marcus. Et on a toujours pas de réponse. Peut-être dans le 6. Parce qu'on sait toujours pas qui est le mari de Marcus. Là, on nous montre que Clayton toujours en vie. Là, t'es content. Le premier Carmine vivant. Le seul Carmine qui soit fait à la guerre. Le premier qui se fait tuer d'un bol de snipe. Le deuxième qui se fait tuer d'un verre de terre géant. Le quatrième, il s'est tranquille. Et dans le cinquième. Oh, c'est la première fois qu'on voit sa tête sur le bandana. Marcus, quoi qu'il arrive, je suis là. Qu'est-ce qui nous reste, Anya? Qu'est-ce qui nous reste? Des futurs bébés! On va jouer dans le cœur. Demain, Marcus. On peut enfin penser à demain. Tu compares la main de Marcus à Kanya. S'il fait ce que je pense, ça doit faire mal. Thank you.
Joker, il a tout à fait compris. Oui, je sais, il y avait un vote pour savoir s'il mourait ou pas. Et les mecs, je crois, en plus c'était le plus classe, ça faisait chier s'il mourait. Et c'est cool qu'il soit vivant, c'est cool. Bon. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. J'ai envie de faire le DLC tout de suite. Est-ce que demain on fait le DLC de RAM, mon combat RAM avant la première guerre, du jour E, ou est-ce qu'on skip, on fait le Gears of War Judgment? Au final on va faire Gears of War Judgment, faut le faire, ça me fera des succès, voilà. Est-ce qu'on fait le DLC de Gears 3? Ok, ok, on n'a pas de soucis. Ah, la prochaine. Ouais, si on est en marathon, tantôt. Enfin, l'anecdotique en fait. Enfin, il est pas important. Il est pas important. Mais bon, si on fait un marathon, faut faire propre quoi. Parce qu'un m'a dit un pote toujours. Parler aujourd'hui avec un pote, putain, j'hésite de faire le jugement et tout, mais faire le jugement, ça fait partie des jeux. Ok. Bah, tu sais quoi, on fera le DLC. Ouais, c'est ici. Mais sinon, il n'y aura pas longtemps. Là, vu l'heure. Qu'a dessiné sur la table et sur la Xbox avec faisant des gribouillis partout. Il a dessiné sur Xbox. Oh, regardez la pauvre Xbox, tous les trucs qu'il y a. Ouais, pas mal la musique. Ah, apparemment il y aura des nouveaux stocks pour Noël si vous voulez une PS5. Ah, grave. Ah, mais il y a un gosse qui me fait ça. Déjà, un gosse qui se rapproche de la Xbox, c'est déjà pas bon. Là. Putain, ça fait 6h41 qu'on a streamé. Donc le Gears of War a duré 7h. En fait, à chaque fois, t'avances, le Gears of War il dure de plus en plus longtemps. Là, le Gears 4, il va durer pas très longtemps non plus. Mais le Gears 5, ah, on va en mettre au moins 2 jours à finir Gears 5. Peut-être 3.
Guerre 5, l'acte 1 et 4 est court. Très court. Et l'acte 3, 2 et 3 de Guerre 5. Oh, 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 c'est long. Ça, c'est du open world. Enfin, c'est un open world. Enfin, c'est un peu plus open world. Ouais, je vais faire Judgment parce que j'ai, comme je l'ai jamais fini, il y a des succès à gagner dessus. Donc autant gagner des succès. Oui, il y a... Ah, le jour qu'ils vont annoncer un Guerre 6. Et je pense qu'ils vont prendre leur temps quand ils vont faire Guerre 6. Guerre 1, enfin Guerre 5 est sorti l'année dernière, il y a un an. Ouais, ils vont laisser au moins 3 ans. En 2022, il y aura Guerre 6. Surtout qu'ils viennent sortir l'ultime et déjà le tactique, c'est déjà pas mal. Pratiquement et normalement, j'ai même des passes. Non, ça se passe sur plusieurs époques de Guerre. Ça se passe sur Default 1, t'as des moments du 1, avant le 1, t'as un moment du 1, t'as un moment du 2, t'as un peu tout. En fait, dans les guerres, dès que tu vois pas Bear Decool, apparemment il y a des phases où tu les joues. À ce que j'ai compris. Et le personnage principal, ça va être plutôt Bear Decool. Et c'est après qu'ils se sont dit, bon, on va faire revenir les Lokis dans le 4. Il y en a encore qu'ils ont survécu. Comment? Ben on sait pas. Ils ont dormi dans des concons, je crois. En fait, les deux premiers actes de Gears 4, tu te bats contre la CGU. Et après, les Lokis t'arrivent. Moi mon kiff c'est que Dom, c'est, on n'a pas vu de corps de Dom. Pas de corps, pas de cadavre, pas mort. Boss de fin est le premier général Locus qui dirige avant Mira. Ah ouais? Bon on verra bien, on verra bien. Sans juge. Et de toute façon, je l'ai jamais fait, donc on verra. Je verrai bien. Donc. Après, il faut qu'on fasse guerre tactique aussi. Putain, je viens d'y repenser qu'il y a guerre tactique. On n'est pas prêt de finir le marathon en fait. Parce que là, cette semaine, on vient de finir. Un casse-toi. Normalement, on aurait dû. Déjà, avec hier, j'aurais déjà dû commencer le hunt aujourd'hui. Et si j'avais pu streamer jeudi soir, on aurait été peut-être déjà sur Gears 4. Oh là, des cheveux! Oh putain! Ouais, c'est un jeu tactique RPG un peu là. Si t'as je pense que si t'as fait Rayman et enfin Rayman non, Mario et la crétin, ça va être le même genre de gameplay. Ou un XCOM. Avec un héros inédit dans celui-là. Quand ça va se passer, ça je sais pas. Parce que quand on va faire Guerre Statique, on va le découvrir ensemble. Enfin, moi je vais le découvrir ensemble.
En plus, au début, j'ai eu le seum parce qu'au début, il avait sorti que sur PC. Je fais putain, mais putain, faut... on est obligé de jouer sur PC et tout, ça pète les couilles. Au final, ils l'ont sorti pour la sortie de série X qu'ils l'ont sorti. Y'a un Halo Tactics ? Ou tu confonds avec Halo Wars ? Attends, Halo ? Et le Reach ? 1, 2, 3, 4. ODST. Attends, oui, attends. Reach, 1, 2, 3, 3 ODST. 4, 5, t'as Halo Wars 1, Halo Wars 2 et Halo Wars. Donc, ah oui, Halo Wars, donc ouais, c'est pas un tactique, c'est Halo Wars, c'est différent, c'est un. Plus un jeu de gestion à la Command Conquers, dans le genre. J'aurais monté un niveau au moins. Ouais, parce que alors, comme vous voyez, il y a le mode RAM Shadow. On le fera demain, on le fera demain. On le fera demain. Allez, je vais vous laisser. Parce que deux heures. Parce que le temps qu'on finisse, il va être très tard. Donc j'ai pas envie de me lancer dessus. J'ai 7 heures de stream presque, c'est déjà pas mal. Je vais commencer à mettre tout ça. Alors demain, je sais pas quand je vais streamer. Parce qu'il peut, ça se peut très bien que je commence mon boulot à 17h. 14h. Si je commence mon boulot à 14h, je streamerai, je finirai à 21h. Donc je pourrais streamer vers entre 22h grand max. Et si je finis à 17h, je finis à minuit. Et là j'arriverai à 1h du mat, à 1h du mat je streamerai. Alors je streamerai vraiment vite fait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, à demain.